tout feu, tout flamme. Yon 2022 qui rentre toute chaleur. Après nous te ouais premier ministre Ariel Henry a toute équipe li fin cassé dans le langou naïve. Malgré nous te ouais vidéo femme poule à tête nèg à poule à tête. Et bien le premier ministre Ariel Henry rentre Port-au-Prince aller dans Mbana, li dit nous le contraire. Et bien rete là, tout détail pral vinn joine nous, toute information pral vinn joine nous dans un petit moment. Marco Antonio Palacios, Palacios gagne bataille là. Colombie gagne bataille là. Y a marché sur Haïti, y a marqué gol sur Haïti et puis nous même nous là n'a battu en retraite. Et bien Jean ça a déjà annoncé avocat Marco Antonio Palacios, Palacios mettez le dehors. Et bien restez là mes amis. Nous on a qu'ils en prennent en 2022 là, bagaille tête chargée. Toute information on va le venir joindre nous dans un petit moment. Hey, aucun problème bang, bagay la fixe. Rete la parler. Zest of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour en même. Ça pourra le permettre de rallonger les pénis. Bal longueur vle, et puis survle pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon y'a. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vlo nan kay la. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bekate? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon, yon traitement 100% naturel. Pendant 90 jours, tout bekate fini, zafo regle nan bon timami. Tout garçon ka utilise entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Relé dans 514-886-9776 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur le website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Chanel Polan ou sur TAC 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Jodi an, c'est un grand plaisir encore pour nous croiser pour sur Chanel Polan pour venir prendre information, pour venir prendre bon genre analyse sur situation sociopolitique difficile que pays nous Haïti a fait face. On le fait encore ma première sur pour confiance ou pour fidélité ou placer notre travail positif qu'a fait là. Hier, nous constater après vidéo côté Ariel Henry sorti gonaïve là, un paquet de parler en pile puisque Ariel Henry lui-même, il était gain objectif pâle qui était clairement défini pour aller gonaïve à lever des filles, à faire ça Jovenel Moïse pas arrivé fait. Mais quoi réalité que moun yo pas comprendre. À travers et ça Ariel Henry fait, à travers décision Ariel Henry posé hier là. Il y a trois bagages qui sont extrêmement importants. Premier bagage là, c'est stratégie qui est employée pour monsieur aller Gonaïve là. En termes de stratégie, nous avons pris un paquet de policiers, ils descendent Gonaïve avec eux pendant que situation martissant l'île à la dégénéré, mon yo besoin de sécurité, pas gagner le mais nos objectifs, nos soucis pour t'enlever des filles, nous Ariel Henry qui ça le fait. Pour le montrer son autorité, pour le montrer son chef, nous voyons comment il réagit à travers la police nationale d'Haïti. Et ça, il faut quoi, dans la hauteur, il faut quoi la dimension pour comprendre que un chef d'État ou bien une autorité ou bien n'importe qui qui est là, dans la position Ariel Henry, il a toujours la même réaction. Parce que je suis toujours clair sur ça. Il y a des dates historiques en dedans pays qui marquent l'histoire pays nous, qui marquent la tradition pays nous, qui supposé respecter. Deuxième bagage, c'est que l'activité 1er janvier 2022 qui fait dans Gonaïve là avec Ariel Henry, li fait sous banaliser la vie moun. Lorsque chef, lorsque autorité, lorsque décideur de l'État, ou doit toujours privilégier la vie citoyen yo. La vie haïtien yo. Donc, si nous faisons un petit parallèle rapide vite pour moun yo ka comprendre qui ça qui gagne, qui différent entre Jovenel Moïse, ancien président nous, avec Ariel Henry, premier ministre de facto, c'est que nous en situation côté que
Ariel Henry li vle montre population haïtienne, nan li vle montre peuple haïtien que li même li son homme politique. Parce que tout le temps y a dit Ariel Henry, yo pa konn sa la fè là. Ariel Henry, en dépit du fait que le pa gen aucune légitimité, Ariel Henry pa ta supposé nan tête et primature toujours nan tête l'état toujours, mais nou elle fait carré là, li fait carré à prendre décision. Li vle montre que li c'est chef, li vle montre que le ka prend des décisions pour faire respecter ça le prend comme engagement. Mais en dépit de tout ça, on va regarder jodi a quantité moun ki bilan gen go naïf, quantité moun ki mouri, quantité moun ki blessé, juste nan intérêt pour al satisfaire et ti intérêt mesquin à lever des filles, à satisfaire ça yo gen comme désir et comme intention ego yo etc. Et troisième bagay lan c'est qui ça lié? Troisième bagay lan c'est le fait que autorité nou yo tout ça qui intéressé yo c'est intérêt personnel yo. Intérêt personnel yo, la vie ou, on policier jodi an la, ou état major la police ordonné yo, exige yo alors à la compagnie Ariel Henry, yo fèl indépendamment de volonté yo. Parce que au commandement ki sa yo fè? Go premier travail yo fè, yo fè un travail psychologique sou policier. De pou nan la police, mission c'est protéger et servir. Ou la pou protéger autorité an, au détriment de prof vie pour. Donc, il y a moun qui a fait débat comme quoi les policiers sont très bien payés, ils payent, puis ils font travail, ils payent, puis ils mourent, ils payent, puis ils prennent balle, etc. Si nous pouvons retourner dans le deuxième point, nous avons l'autorité de banaliser la vie. Lorsque les chefs sont supposés privilégier la vie, ou supposés privilégier l'intérêt collectif là avant tout. Le plus que possible, ou ka éviter un carnage, ou ka éviter un bendisant, ou ka éviter des situations qui dramatiques se fè li en façon pour préserver intérêt collectif, pour protéger intérêt collectif. Mais, pendant que tout bagay sa yo konté, tous les trois points sa yo extrêmement important, stratégie important, la vie moun important, intérêt collectif important. Mais nous-mêmes comme peuple, nous-mêmes comme haïtiens, faut que nous commençons à parer nous. Faut que nous commençons à batailler pour payer en façon pour nous empêcher un groupe nèg, un groupe délinquant, un groupe nèg qui constitue soi-disant opposition gang en dedans pays, en opposition criminelle, en opposition politique déguisée en dedans pays, pour empêcher tradition respectée, pour empêcher tradition perpétuée, pour empêcher autorité commémorer des dates historiques en dedans pays. Je dis c'est Ariel Henry qui a levé des figues naïves. Nous voyons comment ça finit. Et demain, qui est le prochain président? Qui est le prochain premier ministre qui a gagné pour le camper face avec un groupe négatif qui dit qu'il n'y a pas de rentrer, qu'il n'y a pas de faire ceci, qu'il n'y a pas de faire cela? Nous voulons que la pratique ça suspende. Pendant 4 ans, nous voyons comment Jovenel Moïse a pris un baf dans ce pays. Comment l'opposition, comment SDP a baillé Jovenel Moïse bout de terrain? Nous voyons Jovenel Moïse passif qu'il était. Jovenel Moïse qui a gagné vision peut-être qui te prévoit un ensemble de carnage qui te ka gagner si lui même il était pour te bourrer si lui même il était choisi faire tant pour Ariel Henry fait là il te prend recul li. Et peut-être lui évite un paquet dégâts mais Ariel Henry lui même par rapport avec entourage par rapport avec ça veut les prouver ça veut les justifier par rapport avec ça il gagne comme intérêt personnel Ariel Henry était descend go naïve mais objectif là c'était aller go naïve malgré que il était arrêté mieux pas n'al pas de faire et jodi qui côté Ariel al fait discours qui côté Ariel al prononcer discours là encore mieux pas on va le connaître tout détail on va le connaître toute quantité et tergiversation quantité est Ariel fait pour justifier tête par rapport avec go naïve il était allé. Bien. Ariel Henry, dans le discours li bay, li fait comprendre que li pa peur. Li pa peur, li pa jam peur et son paquet de ti vagabond, son paquet de délinquant qui prend pays en otage, son paquet de volé qui prend pays en otage. Première réaction qui gagne sous discours Ariel Henry, c'est que son discours Ariel Henry prononcé non souci pour faire un groupe nèg en dedans pays comprendre que li toujours sous pouvoir, c'est lui même qui a dirigé, c'est lui même qui autorité, c'est lui même qui chef. Que yon d'accord Ariel Henry, que yon pas d'accord Ariel Henry, je dis en là, gon travail qui pou fait. Si nous pas tolérer Ariel Henry dans notre pays, gon travail qui pou fait. Faut que nous prenions responsabilité, nous, faut que nous prenions engagement, nous, li bonheur toujours.
Dans le 7 février 2022, c'est la date sa Jovenel Moïse a quitté le pouvoir pour l'élection qui est en fait. Jodi an la, l'op gade Ariel Henry qui dépasse 120 jours, l'op gade Ariel Henry en premier ministre de facto comme ça, et jodi an ou trouve une situation côté c'est lui-même encore qui a prononcé des discours officiels, c'est lui-même encore qui a pris des décisions au nom du peuple haïtien, bon ensemble de questions pour poser. Ou pose des questions par rapport avec importance autorité ça yo gagne dans tes pays hein. Ou pose des questions par rapport avec responsabilité nèg ça yo gagne dans tes pays hein. Ou pose des questions par rapport avec bonne volonté nèg ça yo gagne dedans pays hein. Ou pourquoi ka jwenn réponse yo? Pour qui ça? Parce qu'on trouve dans une situation là que on prend Ariel Henry. Que on prend ancien président Jovenel Moïse, que on prend Martelly bien avant, que on prend Préval bien avant, que on prend Aristide bien avant, yo tout yo fait partie d'un système politique. Yo tout yo fait partie d'un système que nèg sa qui constitue oligarchie corrompu en dedans pays a manipulé. Retirer Ariel Henry, mettre l'autre, ou a toujours gagné même problème ça yo. Véritable source problème pays, c'est un problème de compétences. Comment pral attendre avec un ensemble de résultats positifs pendant que nèg sa yo k'ap dirige, nèg sa yo qui nan tête l'état son paquet incompétent. Donc monsieur, m'certaine que ou pas k'ap attendre résultat dans mon paquet moun ou déjà connaît qui pas k'ap bay résultat. Qui pas dans situation pour yo bay résultat. Et là on prend le cas par exemple du premier ministre Ariel Henry, je dis à là. Premier ministre Ariel Henry, nous tous nous gon problème avec nous gon seul problème avec. Pourquoi est-il impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse? Pour qui ça rapport de CPJ en fait de Ariel Henry? Youn nan moun qui a de très bonnes relations avec Badjo Félix, youn nan principal auteur intellectuel dans cerveau nan moun qui chita planifié assassinat Jovenel Moïse. Donc si tout bagay ça va passer tout autour de Ariel Henry, qu'en est-il de la moralité? Qu'en est-il des valeurs? Pounia, en nous font-il logique? Si nous parlons de moralité, est-ce que je dis dans le gouvernement ça, le gouvernement Ariel Henry, nous avons parlé de nèg qui a moralité? Hein? Est-ce que nous avons parlé de nèg qui a moralité? L'opprend mini-justice qui implique dans le trafic de drogue, qui prend prison, l'opprend ministre intérieur, l'opprend ministre qui tel, qui a non le cité dans cause kidnapping, etc. On n'y a pas jamais fait. Et c'est là pour comprendre que le kitel te dit, si dans le pays, chaque nèg yo accusé dans un dossier de démissionner, pas de jambes qui ont fait travail dans tête l'État, pas de jambes qui autorité, pas de jambes qui officiel dans le pays, c'est tout dit nèg yo tout doux carrément que, yo même yo dans tout voxal, yo dans tout zak immoral, mais yo pare pour yo rete dans tête l'État, d'autant que nous même, comme haïtien, nous pas prendre responsabilité. Hier, m'li commentaire après émission, en pile parole dit. Ils ont traité de tous les noms, mais pas de problème, parce que c'est pour nous map travail d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un qu'on maman cap calé petit lit, on papa cap calé petit lit, mais gros bagay pour nous connaître. Ni Yannick, ni on l'autre journaliste qui gon opposition, qui gen opinion par rapport avec ça qui a passé en dedans pays, li pas responsable. Responsabilité de ça qui a passé en là, c'est nous tous, c'est peuple haïtien de manière générale, c'est nous-mêmes qui responsable. Véritable problème qui gagne là sous béton hein, avec Ariel Henry, c'est le seul fait que lui impliqué non cité dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Et bien moyen de pression sous qui est-ce pour nous faire? Moyen de pression nous gagne pour nous faire sous premier ministre Ariel Henry. Nous gagne pour nous faire sous la primature. Jodi an là, si nous voulons, juge instruction Gary Aurélien, relé Ariel Henry pour le poser la question sur ça qui passé hein. C'est moyen de pression pour nous utiliser. C'est pression béton pour nous utiliser. C'est la rue pour nous utiliser. Mais ce n'est pas chita sur les réseaux sociaux, sur Facebook, jouer, moun di bêtises, etc. qui va changer rien. Bouche noire toujours là pour nous jouer, pour nous dire toutes bêtises, toutes voxal qui gagne. Mais arrêtez de prêter, pour une année à passer, jour à passer, mois à passer. Et puis dossier Jovenel Moïse, il a prêté, il a mis le long petit boîte, il a pris le boîte, il a pris le long coin. Et puis tout s'arrête là. Puisque nous-mêmes comme peuple, nous-mêmes comme haïtiens, nous n'avons aucun moyen de pression, nous voulons faire nos cafés sous autorité, en façon pour les gens qui concernent, pour y aller devant la justice. Et d'ailleurs, pas de monde qui est au-dessus de la loi.
Pas gen moun ki pi plus que la loi, ki pi plus que la justice jodi an dedan peyi a. Il est vrai que nèg isi, yo gen l'argent, yo gen influence, yo gen pouvoir. C'est des bandits légaux, c'est des moun ki tout puissant oui dans la République. Mais nous-mêmes ensemble nous fort. Nous pas seulement fort, nous pas seulement doué parer nous pour nous mettre nous ensemble, pour nous faire injustice, pour nous faire abus, pour nous créer instabilité. Nous doué mettre nous fort, nous doué mettre nous ensemble pour nous faire ça qui positif, ça qui bien, ça qui ca retirer pays à côté li là. Et m'bra di non bagaille. Jodi an là tout confort premier ministre Ariel Henry gen là. Toute liberté premier ministre Ariel Henry prend là jodi an pour prendre ensemble de décision, même là le connaît illégal, même là le connaît gestion la fait là lien constitutionnel parce que il te doit marier paquet li bien longtemps aller li rete là yo kembe pouvoir l'état en otage yo kembe te pays en otage parce que yo connaît pas un peuple qui réactif. Nous ne sommes pas des réactionnaires peuple haïtien jodi an là nous pas des réactionnaires et c'est ça qui fait en pile fois m'a questionner changement haïtien à court terme à moyen terme m'a questionné parce que nous gon jeunesse là nous beaucoup nous prioriser délinquance sans beaucoup plus. Nous avons une jeunesse là qui priorise malversation beaucoup plus. Nous avons une jeunesse qui a couru fou qui a fait dans l'État, qui a couru des séries de dirigeants de soi-disant leaders politiques qui a fait mal pour porter dans figi moun. Et puis aujourd'hui là, nous prenons toute responsabilité, nous mettons le sous de qui est, nous mettons le sous de un journaliste, nous mettons le sous de un directeur d'opinion qui lui-même qui pourra chercher vérité. Oui, nous pourra chercher vérité à porter le baou. N'a porter vérité à baou pour comprendre ni, n'a pas de comprendre ni et pour ça nous là tout pour nous booster pour nous faire réactif pour défendre droit pour défendre ça gagner comme intérêt pour sauver pays mais nous pas qu'à prendre toute charge nous toute responsabilité nous pour nous mettre sous un seul monde pour nous mettre sous 10 monde qui font travail positif en dedans pays en comprenant que travail à faire s'il parle il pas parler dans logique nous dans ligne nous te gêta prêt pour nous lapider nous te gêta prêt pour nous crucifier etc. Non. Vérité a pas obligé sauve l'étendé an. Vérité a pas obligé ça dans tête ou an. Vérité an c'est ça lié an. Vérité an c'est ça qui dans intérêt collectif là dans intérêt majorité an. C'est ça lié. Nous pas là pour nous satisfaire un petit groupe moun. Nous là pour nous dire vérité an. Nous là pour nous comprendre réalité qui passe en dedans pays an. Nous avons seulement 2 jours dans commencement année an. Et d'ailleurs nous pas aucune volonté manifeste pas bon côté aucune autorité aucun nèg qui dit c'est leader politique jodi pour ta gon apaisement politique en dedans pays l'on regarder des vœux pour la nouvelle année que SDP fait à travers ou bien André Michel fait etc. André Michel il a une vision par rapport avec année 2022 que ce soit et formation au conseil électoral que ce soit monter une nouvelle constitution monter une assemblée constituante pour travailler sur une nouvelle constitution que ce soit pour André Michel jodi an la faut 10 sénateurs y aller. Est-ce que là nous avons une situation d'apaisement politique? Est-ce que là nous avons un climat de stabilité politique à un ensemble de décisions qui envisageable par bon côté nexayo qui a géré l'état là qui a pris des décisions non on peut pas ici hein. Donc c'est la guerre qui a besoin de lever. Donc là où le premier ministre Ariel Henry dans discours le fait dans mes panel a dit que yo même yo paré pour toute éventualité yo même yo paré pour yo camper contre tout monde qui yo même yo là pour yo mettre stabilité pour yo créer violence dans le pays. Gros bagaille yo pas réalisé. Gros ensemble de décisions que même gouvernement ça prend. Gros ensemble de décisions que même allié gouvernement ça prend ou bien des déclarations que a fait qui sujet à créer plus trouble dans le pays. Comme toujours dit leur groupe nèg k'ap dirije, k'ap gouverne l'état son groupe incompétent yo pa ka attendre rien de yo m'a gade ou communiqué primature mete de yo question syntaxe question grammaire même date yo oublié a parlé de 1er janvier ou 12 dimanche 1er janvier et pour attendre nèg za yo ap dou yo paré pour yo faire pays yo paré pour yo bataille contre tout nèg k'ap craser k'ap créer instabilité k'ap mettre trouble dans le pays mais qu'en est-il? Qu'en est-il du respect des valeurs? Donc, ou senti tellement de légèreté qu'on prend, ou senti tellement pas de bonne volonté pour changer la situation pays, hein? Ou senti tellement de gens pas dévoués pour cause haïtienne, non? Ou a bouqué passer des 1er janvier en dedans pays, hein? D'autant nous pas parer nous pour nous renouveler la classe politique, là.
D'autant nous pas parer nous pour nous venir avec de nouvelles têtes, nouveaux leaders en dedans pays, en dedans mouvement social yo, en dedans mouvement politique à fait là, nous fait carré à gagner massacre, nous fait carré à gagner benzan, nous fait carré à gagner affrontement. Parce que moun sa yo ki la, c'est moun k'ap vini pour lever défi, c'est moun k'ap vini pour contrecarrer bandi. Contrecarrer bandi nan seul intérêt personnel yo, pas nan intérêt peuple, puisque c'est moun k'ap vini faire show off, mais c'est pas intérêt peuple y'a vini défendre. C'est moun k'ap vini régler les affaires. Regardons ce petit crabe qui fait nan go naïve là. Ou pral gade, la police là. Tout à l'heure nous t'a parlé de absence de stratégie qui pa gen. Moi m'a gade jan nèg yo pran Ariel Henry. Il a coffré Ariel Henry pour protéger Ariel Henry. On dirait que c'est vers danger qui a sorti avec Ariel Henry. Parce que qui s'est privé? Ou regardez façon nèg yo prend Ariel, yo fait périmètre là comme si nèg a tombé, moun a passé sous moun terre, comme si yo pas de bonne stratégie, pas de bonne mise en place qui fait ou bien tellement moun yo léger, yo pas manger etc. Qui fait tout bagarre ça comme si ou pas ouais stratégie a, ou pas ouais qui ça nèg a réglé. Moi même quand regarde film, quand voit comment il a protégé et VIP, moi me pense c'est bac que tu vas faire avec Ariel Henry puis avec Ariel Henry là me regarder. Moi c'est porter au porter bourré. Bon sur ma machine là t'es tap tant Ariel Henry comme yo connais machine, les machines blend etc. Tap tant Ariel Henry puis on mettre là-dedans et puis direction Port-au-Prince. Quand nous t'arrêter Port-au-Prince, nous prenons 1000 policiers, nous prenons nèg dans l'armée etc. Nous aller avec yo gonaïve tête droite, nous pral fêter indépendance et puis pour ça. Pour ça, nous avons comme résultat, même discours, nous pas qu'à prononcer. Même discours, même place d'homme, nous pas qu'à aller. Même pour nous visiter. Donc, c'est comme si c'est lavé, mais c'est corvé. Dans l'idée pour aller lever des filles, dans l'idée pour aller faire ça, Jovenel Moïse, pas de café, ça nous empêche de le faire. C'est corvé qu'a fait. Quantité l'argent décaissé pour faire stand, quantité l'argent décaissé pour faire accompagnement, etc. Et pour regarder les résultats, ou pas ouè ça qui est comme résultat. Ou pas ouè ça qui est comme résultat. Et puis, opinion divisée, je dis, là, yon groupe qui a défendu Ariel Henry, yon groupe yon même qui a défendu Bandi, yon l'autre groupe qui a dit qu'on sait que ça fait là. Yon même moun qui écrit pour dire, qui nous va le prendre, Ariel Henry vivant toujours. Comme si moun yo, yo te attendu avec un carnage, yo te attendu avec un benzan dans go naïve. Moi, je me dis non ça. Ni benzan, ni carnage, ni affrontement, yo pas dans intérêt payant encore. Bagay ça, yo pas dans intérêt payant. Pour 2021, la choc nous prend avec Jovenel Moïse suffit. Li suffit. Nous pas qu'à rentrer dans la logique. Pour nous faire carré à faire deuil, pour nous faire carré à faire mort, comme ça. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Jovenel Moïse nous a assassiné dans une situation qui est tellement difficile, qui est tellement incroyable, qui est tellement incompréhensible, jusqu'à date maintenant, de date, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une réalité? Parce qu'on peut tout souci de gagner là pour protéger Ariel Henry. Lorsqu'on réfléchit, on dit tout, ah! Est-ce que c'est bonne volonté que pas de gain pour nèg yo protéger Jovenel Moïse, pour nèg yo te défendre Jovenel Moïse? Parce que Jovenel Moïse, au président en pays, premier citoyen en pays, pour c'est qu'on s'en mourir. Pour le mourir pour col, pour le mourir seul. Bagay ça non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi-même, ma fondé bah hier soir, sous cause et j'en nèg yo assassiné Jovenel Moïse, mais mon police yo pas attendé, qui te prend Jovenel Moïse, qui te victime, etc. C'est pas non logique pour banaliser la vie, pour me retourner dans un point ça qui est extrêmement important. C'est pas non logique de dommages collatéraux. Mais loi protégeant autorité, son engagement prend pour protéger autorité à vos risques et périls. Donc Jovenel Moïse vous trouvez journée jeudi alors trouvez dans une situation côté que nèg yo yo te choisi délibérément pour quitter al touye Jovenel Moïse. Mais comme Ariel Henry, yo considère Ariel Henry comme autorité, comme chef. Yo supposé protéger et noué à leur risque et péril, yo protéger Ariel Henry, yo rentré Port-au-Prince avec Ariel Henry. Donc dites tout très clairement, dites tout bien, Jovenel Moïse à tous les coups, nèg yo tap toujours tuil. 7 février 2022, Jovenel Moïse pas tap Jean-Moël parce que objectif là était clairement défini. Nous pas peur, nous pas jamais peur. Ariel Henry gen discours ça parce que le connaît qui nèg li gen avèl. Li konn qui yes kap bal sécurité, li konn qui groupe nèg qui prend engagement pour protéger yo. Mais malheureusement, Jovenel pas de comme ça. Malheureusement, Jovenel Moïse, il te fait nèg yo confiance dans l'entourage. Mais il pas de connaît que nèg yo pas de aucun engagement pour te protéger. Nèg yo pas de aucune bonne volonté pour te protéger la ville.
Donc, nous trouvons nous dans une situation, même là, nous ne pouvons chercher à banaliser la vie. Même là, nous ne pouvons chercher à rabaisser quiconque. C'est extrêmement important pour une autorité pour nous toujours protéger. Et là, nous avons une situation côté que grand autorité, grand population, si l'autorité n'a pas fait choix, si l'autorité n'a pas fait choix pour protéger l'intérêt collectif, pour protéger le peuple, a toujours des dommages collatéraux. A toujours des dommages collatéraux. Et c'est sûr, si en réalité, on arrive pour te prononcer ce discours-là, ça que tu as gagné, il est trop grave pour la République. Il est trop grave pour la République. Parce que, nègre à bout, nègre de chaos, il n'y a pas de quitter Ariel Henry, pas besoin de tolérer Ariel Henry, rester dans la ville pour prononcer son discours. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, littéralement, c'est pas qu'il est allé dans le panel, il fait des magots, Julie, il fait tout le scénario pour faire. Et puis, il est rentré dans la résidence officielle, président et premier ministre, il a fêté à le couler champagne. Ah oui, à nos frais, avec l'argent, nous. Pas de doute sur ça. Parce que yo même yo konn sa yo te planifié déjà, yo konn défi yo te besoin lever, hein. Faut que li te algo naïf, l'algo naïf, et puis reste là l'al fèl nan mi pana. Ja. Maintenant nous nous en situation qui est extrêmement difficile. Comme d'habitude, depuis après assassinat président Jovenel Moïse, tout ça qui lié avec dossier assassinat, son dossier qui est difficile, son dossier qui est embourbé, qui rentre yon dans l'autre, qui entrelacé avec un paquet d'autres facteurs qui barre vérité, qui barre un paquet de monde qui implique dans le dossier pour arriver devant un juge, pour un juge tendé, auditionner, etc. Nous voyons ça avec le premier ministre Ariel Henry. Nous voyons ça, l'ancien commissaire du gouvernement, il était invité Ariel Henry, il était invité Digicel pour tout donner, toute information qui vient pour avec Ariel Henry, avec Félix Badjo. Donc, quand nous avons une situation, on n'a pas enquêter sur l'autorité, on n'a pas questionner la légitimité en autorité, on n'a pas questionner la gouvernance en autorité, de pour faire, nous avons un problème personnel avec eux. Et ça crée le public là, par contre, qui attaque. Nos journalistes apprennent, leur revient informé. Nous, par contre, qui attaque. Nous, par contre, qui attaque personnel. Nous, par contre, qui quantité de monde qui cible les journalistes. Parce que ont choisi d'informer nous. Ils ont choisi de venir nous des informations. Des informations fiables qui vérifient. Nous, par contre, nous seulement, puisque ça dit, elle pas dit dans l'intérêt. Nous, elle pas venir satisfait. Clan nous, groupe nous, appartenance nous, et puis soit attendez à nous toutes voulez poter bourrer, nous toutes voulez manger journalistes, parce que nous estimons journalistes pas dans l'intérêt non. Et pourtant, il n'y a pas comme ça non. Il n'y a pas comme ça. Nous avons considéré le dossier extradition Marco Antonio Palacios Palacios. Qui s'est moi, je dis nous déjà, je vais faire un petit rappel, je ne vais pas trop arrêter sur le dossier, ça, parce que nous avons près de 2 mois, nous avons parlé d'un seul dossier extradition Mario Antonio Palacios Palacios. Pour qui ça? Parce que Palacios, lui-même, qui est un citoyen colombien, la Colombie n'a pas aucun traité d'extradition avec Haïti. Ça, c'est un. Il y a des gens qui veulent faire croire que le pas gagné en traité d'extradition qui lié deux pays et principe général sur extradition qui permet que Haïti li rive bénéficier ça gagne ça gagne pour avec extradition Mario Antonio Palacios Palacios dans souci pour venir répondre question sur assassinat président Jovenel Moïse. Ah bon me dit non, la Colombie pas égaré. La Colombie pas égaré, États-Unis tout qui formait plusieurs mercenaires qui participaient dans tous les Jovenel Moïse, il n'est pas égaré non plus. Et il y a des autorités en dedans pays qui impliquaient, qui participaient, qui commanditaient l'assassinat Jovenel Moïse, qui ont de très bonnes relations avec l'autre pays, côté citoyen ou bien ressortissant impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse, qui n'est pas égaré tout. Donc il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs facteurs, je dis, pour nous considérer que ce soit. Dans le cas d'extradition Mario Antonio Palacios Palacios, que ce soit dans le cas d'extradition Samir Randal. Je viens sous ça, mais ce n'est pas ça que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas Samir Randal. Qui s'arrive? Mario Antonio Palacios Palacios, depuis quelques jours là, tu as gagné une procédure en habeas corpus qui t'est fait pour demander libération devant la Cour suprême Jamaïque. Il était en attente parce que la République d'Haïti, le gouvernement haïtien, a fait une nouvelle demande. Il a adressé une nouvelle demande pour permettre à ce que Antonio Palacios Palacios vienne répondre à une question du juge d'instruction Gary Aurélien. Mais qui s'est arrivé?
Jodi an la, nou trouve nou nou situasyon kote ke Jamaik estime ke gouvernement ayisyen pa founi yon ansanm de preuve ki determine lien de cause à effet ou bien culpabilité Mario Antonio Palacios nan assassinat Jovenel Moïse. Bon, explique nou bagay ki bien simple. Pour montrer nou niveau incompétence autorité l'état yo. Mgon note que Stanley Lika fèm par sou sa ki gen pouwe avec dossier Samirandal la. Kote ke autorité dans le ministère de la justice yo même yo adressé yon nouvelle demande, une nouvelle requête avec autorité turque dans ça qui vient pour avec Samirandal. M'li note là de la tête aux pieds. Mouelil, on dirait que sans fondement. Et c'est ça jodi an là qui rivé avec dossier Mario Antonio Palacios. Des demandes, des nouvelles demandes que l'autorité, que le gouvernement haïtien a pas adressé avec autorité étrangère, yo, autorité jamaïcaine, yo, qui sans fondement, qui pas gagné, qui pas gagné j'arrête, qui pas gagné mob. Comment on va l'expliquer aujourd'hui en demandant des preuves qui impliquent Mario Antonio Palacios dans l'assassinat Jovenel Moïse? Et puis par exemple, on va dire que selon ça, l'autre témoin, l'autre colombien a rapporté, l'ité là tout. C'est pas au cause l'ité là tout, faut venir avec des preuves concluantes. Jodi an la mande nèg yo côté caméra surveillant Jovenel Moïse passé là ka Jovenel passé, yo pa konnen. Ou bien yo caché, yo prend yo pote bay patron yo. Mande yo jodi an côté relevé qui gen pouwe avec rentrer sous territoire haïtien de Mario Antonio Palacios, y a tout yo pa konnen. Yo falsifiel non immigration. Et puis comment pral vinn dim ou pral vinn avec preuve concluant qui pral montre que autorité jamaïcaine ou bien autorité turque que nèg sa yo qui gen présomption de culpabilité sous do yo que yo même yo impliqué formellement dans assassinat Jovenel Moïse. Mais faudrait-il que nous te gen ta prononcer sanction, nous prononcer condamnation et pour qu'on pral dit que ou condamné yo faut que yo remettre yo etc. pour obtenir la peine. Mais autrement pays que moun sa yo la dan là pour par exemple Jamaïque ou parce que Jamaïque t'a pas jamais remettre Haïti Mario Antonio Palacios d'ailleurs gen avocat qui déjà vient avec tous les faits qui déjà vient avec tous les moyens de défense pour montrer que Haïti pas bon en termes de sécurité le pas bon en termes de prison pénitentiaire en li pas bon non situation déplorable yo vin avec en terme d'assassinat quantité point yo vin sous tableau quantité facteur yo vini pour montrer que Mario Antonio Palacios pas gen droit rentrer en Haïti et effectivement nous gon gouvernement tête en bas là rien pas priorité yo moi m'a posé tête mon question est-ce que si c'était un proche Ariel Henry parce que m'ka dit très clairement Jovenel Moïse pas proche regardez comment y a mené ça qui gen pour avec dossier assassinat Jovenel Moïse mais imaginons si son l'autre moun non l'autre clan dans même clan avec Ariel Henry qui était victime nous pensez pas t'a prendre bail non au sérieux nous pensez pas t'a prendre enquête là au sérieux. Nous pensons pas mettre des mesures adéquates sous table pour permettre à ce que tout le monde ait tout délinquant ça ça n'a marre pour arrêter ça qui est dans notre pays pour arriver extrader ou rentrer en Haïti avec yo. Jovenel Moïse n'est pas leur priorité. Jovenelist a toujours porté bourré bataille revendiquer etc. Mais clan ça qui commandite assassinat Jovenel Moïse il a travaillé que jusqu'à la fin retour après retour attendre dossier Jovenel Moïse classé. Li classé et puis c'est fini parce que nous même comme haïtiens tout monde nous montre nous pas gain aucun intérêt à ce que Jovenel Moïse joigne justice c'est ça on prouvé et nous toujours paré pour nous porter bourré pour nous longer droit sur monde pour nous indexer monde mais nous pas vraiment compte qui responsabilité nous gain nous pas vraiment compte qui responsabilité nous gain et youn nan plus gros problème pays en gain jodi an là c'est haïtien pas connait utiliser internet là. C'est haïtien qui pas connait dans qui objectif pour utiliser réseaux sociaux. Nous utiliser pour nous faire une menace, nous utiliser pour nous faire propagande, nous utiliser pour nous satisfaire intérêt un petit groupe pendant que avec internet nous ca faire de grandes choses. Nous ca planifier mouvement, nous ca planifier et revendication nous ca font paquet idées passées dans intérêt pays. Mais c'est pas ça qui priorité non. C'est pas ça qui priorité non. Regardez bon. On quitte quand il propre. Regardez qui propagande qu'a fait jodi an là avec Assalos. Très bientôt gen pourtant de Assalos magistrat, gen pourtant de le député. Parce que nous-mêmes nous contentons de peu. Nous contentons de peu.
Nous avons plus intérêt aujourd'hui. Nous avons plus intérêt. Là, nous avons choisi leader, nous avons choisi monde qui pouvait nous représenter. Ce n'est pas monde qui vient nous faire un petit caca, non? Ce n'est pas monde qui vient vendre nous une idée qui base sur un petit caca, un petit poussière, etc. C'est monde nous qui gagne, qui a fait revendication au passé, qui a bataille pour nous, qui a campé pour nous. Mais ce n'est pas un monde qui vient avec un petit bagage matériel, un petit zé, un petit lampadaire, deux, trois poteaux lumière, etc. Pour nous dire que nous sommes des gens pas nous, etc. Puis devant nous, nous avons nous dans le trou. Moi, je suis là pour me réveiller. Nous mettons lapide matin, m'a pleuvé pi 9 demain. Parce que faut que travaille en fait. Faut qu'on prenne conscience. Et l'un citoyen, le bonheur là. Deuxième journée, là, le bonheur pour nous activer l'un citoyen. Parce que Haïti pas arrêté dans le contexte. Haïti pas arrêté là. Chaque président monte pour nous planifier, pour un groupe qui a planifié comment pour éliminer, comment pour assassiner, comment pour tuer. Chaque président monte, chaque gouvernement monte, comment pour yon jeter l? Chaque élection pral fait, comment pour yon baye zam nan ghetto, pour yon prenne élection? Bah yon pas karet konsa nan pays. Nous pas ka continuer sous même lan, c'est ça. Si Jovenel Moïse était vivant toujours, c'est sûr que Jovenel Moïse t'a prêté mi pana pour commémorer 1er janvier. Parce qu'on t'a toujours joué André Michel qui t'a dit peuple, prends la rue, mobilise, etc. Nous t'a toujours même joué, même quand allié SDPO qui t'a dit prends la rue, mobilise, etc. Parce que c'est ça nous fait. C'est pratique ça nous gagne. Empêcher autorité légalement constituée pour faire travail. Mais pour nouvelle année, bataille en doit faite. Le nous avons autorité qui pas capable résultat faut que nous ca faire remplacer faut que nous ca voyer l'aller faut que nous ca prendre responsabilité nous pour nous dire nous voulons résultat nous besoin résultat c'est pour ça nous mettons là mais pratique encourager gang encourager violence encourager délinquance il doit finir moment arrivé pour nous mettre en bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui je remercie avec vous même qui t'a suivre nous avec en pile attention. Principe là n'est pas changé, continuez à regarder vidéo, partager vidéo, un maximum de commentaires, un maximum de partage, rendez-vous les gars, c'est pour demain sous même chaîne dans même lieu des micro présentation. C'est toujours même Yannick la même voix et pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse. Débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle et pays, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick là en même voie. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.